Si j'ai eu l'idée d'appeler le féticheur là, parce que j'ai constaté, l'enfant n'était pas tranquille. Lorsqu'il dort, parfois il fait des mauvais rêves, parfois il crie pendant la nuit. Ça me paraît, je croyais que c'est le palou ou quoi. J'ai essayé de l'amener à l'hôpital. On a fait les scanners, on a détecté tout. On n'a pas eu la maladie. Il fallait que je trouve l'idée de chercher les féticheurs pour constater, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et j'avais eu l'idée. J'ai essayé de rentrer dans les forêts, chercher les féticheurs. Jusqu'à j'ai découvert que ce sont les esprits mauvais qui menacent mon fils. C'est pour cela que j'ai eu l'idée d'appeler le vieux Londo pour qu'il me libère dans les difficultés là. Donc ce sont les esprits des sirènes. Hein, lorsque l'enfant dort, il voit les images là, ça lui fait honte, ça lui fait peur. C'est la peur là qui le fait qu'il crie. Donc là, il était venu pour couper les liens, pour mettre la barrage, pour ne pas qu'à la prochaine, quand il dort, il répète encore ces jours là. On a 12 ans, comme c'était la personne à expliquer. Tu dépenses sur dépenses. Monsieur, tu viens pour quoi? Non, mais la famille, ils allaient ça, ils allaient ça, ils allaient ça, ils allaient ça, ils allaient ça. Ils allaient ça, ils allaient ça, ils allaient ça. Oh, ils allaient là, bloquer à toi, comment ça? Il y a quelqu'un qui va être décidé, hein? Il m'a donné, mais qu'est-ce que tu as, moi, c'est décidé, il m'a donné, mais le patron de l'église, là. Malade. Ganseux, grandes slings, là. Parce que, quand on a un bain, on tout cela c'est pour éviter d'arrêter les visions que l'esprit Fungula. Quand il rêve là, il voit seulement les sirènes. Voilà. Bon, là, maintenant, on va faire pour ne pas qu'il... Vous voyez ça. Les mauvais esprits qui viennent dans les rêves. Toi, tu fais souvent appel ouais. À lui ouais. Mais on est toujours ensemble avec lui ici, chez moi. Là. Parfois, on reste beaucoup ici. Parfois, c'est moi qui informe des gens qui sont malades que non. Et chez moi, là-bas, j'ai un féticheur qui peut vous aider de guérir les maladies. Pareil quoi. Auparavant j'ai été parti pour voir les guérisseurs. Mais ils n'ont pas la capacité d'arrêter les esprits là. C'est pour cela, à ma connaissance, par des gens, ils m'ont dit que non, celui-là, il avait arrêté les trucs comme ça, il fallait que moi aussi je cherche l'endroit. Je les ai demandé, papa, bon, moi j'ai des situations telles, il m'a dit oui, je suis capable de le faire. Si tu as l'argent, tu me payes, je vais te faire ça. C'est pour cela, aujourd'hui on a commencé. Ouais. Donc lui vraiment il est un peu lui il doit avoir les papiers de son travail là, il doit avoir des papiers. Ouais, il est un peu connu partout. Lui il n'est pas comme des autres qui ont collaboration avec des sorciers. Il va malfaiter une personne là-bas et puis on l'envoie chez les guérisseurs pour manger l'argent. Lui il n'aime pas les kumbites là. C'est comme une association entre moi et toi. Toi tu malfaites là-bas, moi j'enlève. Quand on me paye, je te donne aussi. Il partage. Ouais. Mais lui, il ne veut pas comme ça. Lui, ils nous disent toujours que non, ça c'est les dons que Dieu nous a donnés pour aider la population. On ne peut pas être encore associé avec les sorciers. Nous sommes comme les avocats défenseurs des peuples contre les sorciers. Mais d'autres personnes, ils vont encore pour être associés avec les sorciers pour malfaiter les gens et puis pour qu'ils mangent leur argent. Moi, je ne suis pas pour ça. Chez nous, on tient main à la gobelette pour nous.
Thank you.